L'heure est grave en Guinée et ça va se savoir. Famille, les escrocs, je vais commencer ce live pour dire en pandi du groupe des espoirs de Corentin, Kamen Osugukioki. Vous, vous avez chanté ici. Falafé Osetare Nankuma Falamabe. Donc, quand je dis espoir de Corentin, ce n'est pas les autres, hein, c'est Mpandi. Voilà. Parce qu'on a fait Nagamfari, Birimbara Koulon, na Escroya, comme mouvement de soutien, Otamouya Gima, Orana Group, on s'est fait la représentation Fakonde Rlimabe. Non, mais rien de dignité, mais oubebe. Vous n'avez même pas honte. Le CNRD est venu, aura Beredé, na Mise Kanama, era pouvoir. Et Nara Birare, au Fatawayende, au Modera Bima, Fokokoya, au Kokoya Nankolo, Mpandi, au Nankolo. Sinon, Nebara fait Naransa au Fari. On au Balo Sotoma Mene, au Birimra Fini. Escroura, parce que espoir de Corentin, au monde de Guima Mirifora. Même moi, quand j'ai été en 2020 en Guinée, mon Sigama Ireo, demandez les Gnoli et non ma Fala de Obe. Étoile de Boulbinet. Ofanga Yagi. Étoile de Boulbinet, Ofanga Yagi. Kaloum Dime, Onu Fama, Oma Goro Dene. Na Fugu Fugu, Na Yire, Bandiefa, Enakana. Mais il faut avoir honte. Tous les mouvements que vous êtes en train de faire, c'est compromettre votre propre avenir. C'est compromettre votre propre avenir. Omara Bama, la Guinée Kayora. Orana Kokoya. Na Boulbine Dime. Dime. Corentin tout. Mereira Bangira Birare. Ah non. Et nous voyons. Et Falamane Bara Fouté Merendema. Ka Bonyamu Otambe. Mamadi Fisa Otambe. Nerena Mamadi Fouarato. Ne Fisa Otambe. Ka Lagne Kamotara. Quand on dit l'État, c'est tout le monde. Otamu Boyan Sotoma. Ka Fanyi Moura Faoufama. Otangalu sarakadom na l'air biri. Otangalu mire rambira. Birim fara konakrine. Kamere lama ayagarabi. Otana lama oyagarabi. Mais otanga fini. Nyeli bomboera. Mre na fala iki. Otanga fala lam de l'ilai. Amina. Otanga lunaki. Otanga sarakadom. Et na ora mire kilfeto. Corentiké torore. Ota mouné rouma falamade. Ota mouvement en créema. Des mouvements de bidon. Ko de soutien. Oule. Ora oule soutenir. Même khame o faramane. O fara na dignité kui. Na fisa. Ota nga di bandi soutenir. Omu ya gima. Étoile de Boulbinet. Omu ya gima. Omu ya gima. Vous pensez que on a na ramfari moutama akolo. C'est vos parents même qui seront déçus de vous. Parce qu'au mouya gima. Autant la mané wa fala djebe. Moumouna aura fait. Ou bien au dundu. Ka au garouma. Mais vous allez créer quel mouvement de démagogie. Depuis dit bandi otofa. Kaloum kebara heri moundou soto. Nere nou na dokeria. Port de Conakry. Amato wali moundou na menito. Kaloum. Wali mundu na kalumto. Projet mundu créer otambe. Otanga luna kokoya. On vous donne toto di. Dagine ke rakobri. Kobri na gal lama aratongo. En principe, era mere. Dédommager la famille à Corentin. Otanga na kobri tongo amomu na fama. Tote di. Omu bango timara. Omu sigama fotetara. O siga o café sara o bere sara anyo. Otanga fala djefa.
oha boge boge kobri migyo entreprise na migyo yira anna kobri soto tongo aso yira migifai na naki migyo boge kobri tongo aso yira munyati nara akauma soto alima abara beberaba et na otan en tromper fait on est en train de vous tromper jouer avec vous non mais franchement je suis déçu de certains jeunes kalum jeune de nana quoi et lorone allo bonyame tambe allo tamu de roma 40 rende na mamadi forato otan la ma aura ou yete imposé son mais mou fama aura ou imposé kalum dina na ora konakri folo kalum ne mais otan matou bo bire évolué fait bire na évolué fait fort kokoya kokoya otanga luna tankui orana leader le porte-parole des sinistrés amato akarang akarang philosophe anouye tout le monde bire ndia manabe omune soutenir made otan luma kokoya ne nere non di falama omune soutenir made ora dignité omune soutenir made mais nere femme aura mere quel demeni au fin et au findi clochard ratama parce que bangui yiremuna obé owa mana mere nango nere au findi ma clochard au lieu de vous réveiller au lieu de faire des prises de conscience pour vraiment vous donner les mains à RDD, vous ne voulez pas cela, c'est créer des mouvements que la candidature de Mamadi Doumbouya ala ah baskot dindena o fa akhli soto matin mundu o fa fini ma leader ratem mundu hein quand est-ce vous aussi vous allez être la Guinée FFA et falama o fa mara fini leader radi alia yati negeno na mouvement kwe alia na mindeto société nan nanara alia na mindeto wayende na munya mwa mafala fesono parce que autant au lourd on est à dérider allez et aura waler ne quoi malgré mes au bonheur à tema au bonheur mutema allez aura waler ne parce que mara nana mfala oba saraka don fait parce que wayana ram fala masaraka ma era so yira autant be fait fan yara saraka ya do mané une fois deux fois ina don trois fois agno et tanga barka biri mara sigabori ma na kan saraka ba ma barka sigama nana ma isara ka donto kameni ma mara kompara mais isara ka don parce que moi ma sesera ba fe awa kaita lura don nanne ifanga bonheur et abiri afan sigama ne parce que bore isara ka ba mane ifanga findi sera me kaita nu igbelu ifindi isara ka don champion tanna sesse mo meni ma ifang bon sei parce que tanna la magandi fe bore ka reçu bore isara ka ba manana ma pe la Guinée fait ta offre bema yama ina me eta biring benar les biens de l'état mora boxit mora rema la Guinée ka biring benar pe vous n'allez pas avoir le cœur aussi offre nga fini leader rafende mais autant na mere rambine t-shirt on distribue des t-shirts on vous donne vous portez que des t-shirts c'est pas joli à voir c'est vilain très vilain. Moubara Falaobé, ces gens-là, ils sont venus pour détruire la Guinée. Voilà. Toi, le mouton, là, comment c'est à moi, si là, comment de laisser de parler de Kanka. Moi, je parle de la Guinée. Vous, les idiots, là, ils t'en arrêtent, les tarés. Autant un modèle. Amato, à Falarambe, Kanka, Mouna, la Guinée, Féné, ils t'en idiot. Ils t'en dougoula. Mamadi Doro, Mamadi Moudoro, Kankande, Adoro Kaloumne, ils t'en dougoula. Kaifata Sera, c'est Mamadi là qu'il mène. On parle de la Guinée, autant Dougoula, Ethno Mere Matombebe, Mouna la Guinée Féné. Et tant Dougoula n'a rien à faire finiment parler. Parce que nous avons mentalité de borné. C'est Mouna Ourouni. Ah, l'Italia. N'a rien à faire. Tant Dougoula y a n'a rien à faire. Des inconscients comme ça. Là. Ce que je suis en train de dire. Regardez-moi cet idiot Dougoula Matombe. Il faut parler de Kanka. Mamadi Moudoro Kankade. Adore Kaloumne Naki. Adore Kaloumne Naki tant Dougoula. Ota nere mouar le soto manaki. Mamadi Moudoro Kankade. Adore Kaloumne. Nere ramine remene. Et mou kankake ramine rede. Et korantike nan amine. Itan Dougoula.
Akali taré. Inconscience. Nega ramine, il ramine le cancané. Il t'a dougula. N'tonne a fait fouma falama. Dougula m'a tombé. Ota akali sotomate mundu. Na mentalité communautaire. Nanana la gena nous fait rambinaki. Parce que 1, 2, 3, et bara yete findi. Et bara a fait findi etnifera. Etnifemara, la gena fenara. La gena nous n'yoko an yokuma birinambe. Otan dougule. Otan be, vous pensez que aura vos propos bêtises là, moi ça me fait. Otan la gena kanana, je parle en soussou. Je suis fier de parler en soussou. Je suis fier d'être guinéen. Aura nam mentalité bidon. Ces inconscients, otan nere ma comprama. Parce que même Yamana non dit falafé, eux ils ne veulent pas comprendre. Des idiots. Et on t'en a manipulé. Combien de personnes aujourd'hui? Nere de Rome, ça dit CCM, FA, ERA, Bangé, Kunakana, explosion du dépôt. Autant Dougoula, Mere, non, n'en fait fala. Des bêtes comme ça. Là. Non, Tchernobyl, il ne faut même pas répondre à ces imbéciles-là. Il ne faut même pas les répondre. C'est ça le problème. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est des gens comme ça, des idiots qu'on va manipuler. La Guinée est NATO. Situation à Kianere. Eux, ils sont en train de prendre de l'argent. Koko Ayakoui. L'argent qu'on doit prendre pour dédommager les sinistrés. L'argent qu'on doit prendre pour construire des hôpitaux pour vous. Regardez le recrutement. 18 500 personnes à la retraite. Demandez-les, ils n'ont qu'à donner la liste exacte, le nombre de personnes qu'ils ont pris. On fait croire aux gens, ils ont fait le recrutement, c'est fini. Mais combien de personnes ils ont pris? Vous envoyez 18 500 personnes, même pas 5 000. Le nombre, ils ne vont jamais donner des chiffres exacts, parce que Kwabri Meira, ils ont vidé l'administration. Il n'y a même pas d'administration. 40 tarés nous finit, administrateur, administration Mouduna, 40 tarés. Des fainéants comme ça, communs à la tête du pays. On vient parler de ça, Itan Dougoula, Ko Kankan. On m'a dit, mon d'or, Kankan, de. Otan Dougoula, ya, on a ramené Ethno Feyakoui. On a ramené Ethno Feyakoui, de. Oluna, Harli Tariyakoui. Ok? Moutan la Guinée, Kabirin Nan Kouma Falama. Yep. Moutan la Guinée, Kabirin Nan Kouma Falama. Donc, vous avez vu encore, quand je vous dis, il n'y a pas de sérieux. Moi, des fois, je m'assois, je dis pourquoi la Guinée, nous méritons tout ça là. Il y a eu combien de premiers ministres depuis l'arrivée des bandits là? Il y a eu M. Mohamed Béavogui, il y a eu Bernard Gomou, et maintenant, c'est Baouri. Imaginez, déjà 3 ans, ils sont là encore. Les grandes lignes qui ont été confiées à Baouri. C'est-à-dire, je me dis, ces gens-là pensent que non, nous, on n'a rien fait, on n'a rien à faire que d'écouter leur cinéma, leurs idioties, ces bandits du CNRD. Et Tambe, la Guinée Kamouna, c'est Walimou Mouira, et Rafitulité, Mourananame. Baouri est quel économiste? Baouri connaît qui dans le monde? Il n'a pas Baouri comparé de Selouda Lema. Est-ce qu'on peut comparer Baouri à Dr. Kassouri? Tous les grands projets. Agnès, projet de développement, accord cadré. Eux, ils ont fait des grands voyages. Et c'est un pays belé. Mais des comédiens comme ça, Baouri peut donner quoi? Baouri peut donner quoi? On est en train de nous faire tourner encore. Oui, on doit doter le pays de bonnes institutions. Depuis longtemps. Mais ça nous fait combien d'années maintenant? Nous sommes dans ça. Ça fait combien d'années que ces bandits-là nous parlent de ça? Ça nous fait combien d'années? Les gars, ça nous fait combien d'années? Ça nous fait combien d'années? Ces gens-là, ils nous parlent. Non, on va mettre ça en place, on va mettre. 3 ans déjà, Moufa fait 3 ans dans Maïki. Mais ils sont en train de jouer avec l'esprit des Guinéens. La Guinée qui est la main et Réarabi. Je jure, si ce n'est pas le rapport de force, Mamadi Moussika Madède, Abara Meri Fara, il faut que les gens mettent ça en tête. Mamadi a tué le 5 septembre.
Mamadi a délapidé tous nos biens. Ils ont tout délapidé. Mamadi est conscient. Aujourd'hui, c'est les dadis aujourd'hui. On dit non, les massacres le 28 septembre. Aujourd'hui, c'est le procès des dadis. Mamadi est conscient de ça. Mamadi sait qu'il aura le procès du 5 septembre. Je vous ai dit, c'est un instinct de survie. Mamadi, Mamadi est en train de sauver sa tête. Parce qu'il sait que s'il tombe, il sera jugé comme les autres. Et c'est pourquoi le bandit aujourd'hui, il veut s'accrocher par tous les moyens. Et les Guinéens doivent mettre ça en tête. Mamadi ne connaît pas la négociation. Na imam na figé. Nere wayama. Ah, la paix, a son reiki, a mené reiki. Nena et Raheri n'en katafé leur propre intérêt. La Guinée kouma fala fait. C'est pourquoi je l'ai dit toujours. J'ai un grand respect pour l'archevêque de Conakry. J'ai un grand respect pour les chrétiens, les pasteurs. Parce que Tamouna na figé yawaye. Et à non-dinan falam. La souffrance. Ils interpellent. Voilà. Voici un maudit qui est là. Abakar Konté. Autant les cocos qui sont à côté de la cour. Alpha Condé a tué. Alpha Condé n'était pas militaire. Ok? Et je vais vous dire, vous les inconscients, j'aime à chaque fois quand vous venez dans mon live, vous me rappelez. Le régime d'Alpha Condé. Vous savez, quand vous prenez les 8 premières années, le FNDC, tous ces mouvements, tous les leaders, les médias, tout le monde était libre de dire ce qu'ils veulent. Il n'y avait pas de problème. Tous les mouvements là, étaient là. Mais c'est ceux qui ont fait le coup d'État. Là. Ça fait partie des préliminaires du coup d'État. Fermer la frontière du côté du Sénégal parce qu'ils savent le fief de l'UFDG. Qu'on le veuille ou pas, la Haute-Guinée, c'est le fief du RPG. Le Fouta, c'est le fief de l'UFDG. Ils ont fait exprès. Tout ça, c'était pour énerver. Qui était à la défense? Qui était à la défense? Qui était le chef d'état-major des forces armées? Namouri. Qui était le commandant de bataille? Abloy. Qui était commandant des forces spéciales? Doumbouya. Sadiba qui contrôlait le camp de Samouria. Donc la défense, c'est eux qui ont fait le coup d'état. Tout ça, ça faisait partie. Mais quand ils ont fait le coup d'état, le président Fakonde n'est pas militaire. Pourquoi ils n'ont pas dit autant du président Fakonde d'ouvrir les frontières? Ça faisait partie. Tout ça, c'est les préliminaires du coup d'État. Vous, les idiots, là. Qui était à la tête de toutes ces unités-là? Idiots, là, quand le président Fakonde a fait quelque chose. Il faut les demander si le président Fakonde, oui, qu'on parle de procès, c'est eux qui étaient là. Ils n'ont qu'à dire si le président Fakonde les a donné l'ordre. Inconscient, là. Non, je ne vais même pas le bloquer. Non, mais pourquoi ces gens-là sont inconscients à un moment donné? Bande d'inconscients. Le président Fakonde a fermé les médias. Les jeunes de l'Axe qu'on tire aujourd'hui, flagrant. Montrez-moi au temps du président Fakonde. C'est pourquoi je l'ai toujours dit. À qui profitaient les crimes au temps du président Fakonde? Attendez, je vais bloquer ce maudit-là. Dans le cas d'Inko. Quoi, Bakar Konté, là. Des idiots comme ça. Autant Kokodi. Non, oui, il faut autant n'ambe. Autant n'a n'a l'amma. Oraou Yarabi. Baskot, dire Yama. Et n'a pas lira. Parce que Koko, il y a nanana fa ou matama. Grand, 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 grand. Ominina Kokoya. Ominina Kokoya. Oh, il était fini Adama Dira. Oh, il était fini Vrera. Dougoula et Moulama. Et Rafa, on t'a commandé. Ou Ama, c'est la Guinée. Kanana ou Fana. Mais il y a un yo Otama. Otam Dougoula. Il t'a Aboubakar Konté. N'a pas fait un bébé. Bira Kolo. La Guinée n'a qu'à n'a pas siga, au siga mungi et ma rori, ma kiti, et rafala, autant dougoulé. Parce qu'on aura tort de dire à Fera. Non, dit Moura Faouma. On aura intérêt personnel, non, Kolo. La Guinée Moura Faouma. Regardez le pays aujourd'hui. Comment était le pays hier? Birina Kolo. Marafala Aubert. Oyarabi, Oyarabi. On aura intérêt, on a défendu. L'État, les biens de l'État appartiennent à tout le monde. Mais ce que nous sommes en train de vivre, les biens de l'État sont devenus des biens de Mamadi aujourd'hui. Nagana kene anou a bari a bourré et nanana bama. On disait que le président Fakonde était mou, non, il ne faisait pas. C'est eux. Les deux dernières années,
du régime d'Alpha Condé. C'est ces maudits-là. Ceux qui ont fait le coup d'État, c'est les maudits-là. Parce qu'ils l'ont poussé. On disait le président Alpha Condé, il est mou. Il est faible. C'est eux. Tout ça, ça faisait partie de leur plan. Et des idiots ne veulent pas comprendre ça. Maintenant, Abara Sobirinde. Abara Sobirinde. Non dit tant. Bara Sakenema. Bandina Nadira et Moufara la Guinée, qu'il y aura intérêt. Et Fara y aura intérêt. Et on parle de ça, vous venez moi m'insulter, Ndanga Falako, de parler de Cancan. Ndanga la Guinée, Kanan Nanade. Je suis de basse-côte aussi. La Guinée, Foloma Kassa, Gerze Nanna, Manke Nanna, Foule Nanna, Sosé Nanna, la Guinée, Kanan Nantana. Hein? Kanama Rabiri Luma Roine. Iname la Guinée, il est biri. Basse-côte, c'est chez moi. Kassa, c'est chez moi. Lola, c'est chez moi. Mali Yembere, c'est chez moi. Je suis fier de dire, je suis Guinéen, c'est chez moi. Autant Dougoulé, et nous, il faut parler de chez toi. Mon région est ici, mon nation fait dans la vie. Mon la Guinée fait dans la vie. Mais je ne suis pas de, basse-côte, ou bien je ne suis pas de fouta. Mais je ne suis pas de fouta. Je ne suis pas de fouta. Voilà. On parle de la Guinée, hein? Donc, ces manipulations qu'ils sont en train de faire, ça ne marchera pas, la famille. Que tous les bons Guinéens s'organisent et les leaders politiques, ceux qu'ils ont commencé, accompagnons. Moi, je vous ai dit, les leaders politiques, vous vous fatiguez. La pression que vous devriez mettre dès le début du coup d'État, vous avez échoué. C'est le scénario de 2009 qui va se produire. Vous savez, quand les dadis sont venus, ils ont mis un gouvernement où ils ont nommé des ministres, corps habillé, des militaires. À ce moment, les leaders politiques, ils étaient un peu faibles. Mais quand il y a eu la pression des leaders politiques, la manifestation du 28 septembre, qui a dégénéré, les militaires, ils étaient affaiblis. Les leaders ont imposé un gouvernement d'union national où le premier ministre était tonton Jean-Marie Doré, imposé par les leaders politiques. Tout ce qui était politique était géré par feu tonton Jean-Marie Doré. C'est ce qui va se produire. Tant que les leaders ne le font pas, ces bandits-là ne vont pas changer. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Ils pensent que personne ne peut les arrêter. Je l'ai dit, comme l'a dit Toumba, c'est la force qui arrête la force. Et c'est ce que les leaders politiques doivent comprendre. Vous, vous avez le peuple et les voyous pensent qu'ils ont les armes qui peuvent effrayer. Et ces armes, c'est encore l'argent du contribuable guinéen qu'on utilise pour acheter ces armes. Je vous ai dit, avec des bandits, il n'y a pas de beau discours. C'est œil pour œil, dent pour dent. Ils sont conscients, je vous ai dit. Aujourd'hui, il faut un grand mouvement pour que certains soldats aient le courage de demander le départ de ces voyous. Ça, je le dis haut et fort. Il faut un grand mouvement populaire. Aujourd'hui, la majorité du peuple de Guinée a compris. Même ceux qui n'avaient pas compris hier. Tous les médias là, voilà. Tous les médias. Non, Mastasila. Moi aujourd'hui, ma position ne me permet plus de chercher à diviser la Guinée et Rafira. C'est ce que j'ai dit. Il y a certains qui ont voulu mon combat, chercher mille fois. Damaro a insulté tel Mara Falaibé. Une de mes vidéos d'envoyer, ils n'ont pas trouvé. Ils ont tout fait, ils sont passés par tous les moyens pour chercher à me rabaisser. Ils n'ont pas trouvé. Toujours, je suis au top. Rien n'a pas tombé. Et Colon n'a rien fait. Et n'a analysé non d'inacu. C'est pourquoi je dis, je n'en veux personne. M'guyo Ablaré Bombo, Alpha Condé Rafi. Le plus important dans la vie, c'est de revenir à la raison. Alayati, temps fugue. Le bon Dieu nous a donné le temps là, de nous repentir chaque fois dans la vie. Sinon, si Dieu avait imposé qu'une fois on commet le mal, on meurt sur place,
Nakolo, il n'y aura pas de mal sur cette terre-là. Malfaiteur Yomulu Mabison. Mais Dieu nous a donné ce temps de nous repentir. Moi, c'est pourquoi je dis je pardonne. Mais Dieu nous fait Feraba. Il revient à la raison. Cette personne, moi, je lui pardonne. Même méfiément, maintenant, je lui pardonne. Nanara, nous devons nous pardonner entre nous. C'est pas parce que les gens ont applaudi hier que voilà, on va dire, voilà, c'est rentré, c'est sorti. Non. Il faut voir l'intérêt supérieur de la nation aujourd'hui. Et Famouna Koulou. Ces gens-là ne savaient pas. Et Mouna Koulou, ils ont cru. On va faire l'amour aux Guinéens. On va lutter contre la corruption. On va donner le bonheur aux Guinéens. Mais avec le temps, 3 ans, ils n'ont rien vu. Ils ont été déçus. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de combattre le CNRD. Moi, je combats le CNRD. Ça sert à quoi, moi, de venir me moquer d'eux, de chercher à créer d'autres fronts. Marabama, Mbiobe. Nerewa Maraba Figaraba. Mais moi, Damaro, Marabama. Aujourd'hui, c'est tous les Guinéens qui sont conscients que Mamadi a échoué. Il ne veut pas partir. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des mouvements de soutien. C'est des milliards qu'ils ont donnés au Ousmane Gawal, Tchernon, Mamadou, de Dingiraï, même les Baouri. Et Biring, je viens de vous parler des jeunes de Brobinet, là, qu'on est en train de donner de l'argent, de créer des mouvements. Et je vous ai dit, ils attendent la fin de l'année. Ils vont condamner les dadis. Maintenant, ils vont gracier pour chercher à voir le soutien de la forêt. Mais oh, vous avez tapé poteau. Vous avez déjà fait le mal. Vous avez déjà tapé poteau. Donc le CNRD, ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. On a dit que Dadis ne devait pas se présenter, non? Et Mamadi, ça ne marchera pas. Wallahi Atena Benafio, Mamadi. Je t'ai dit, ça ne marchera pas. Moi, je t'ai déjà donné pour le bien du pays, Mamadi. Il faut négocier avec ton ancien patron, le président Fakonde. Si tu sais que tu as peur de faire ça, parce que tes amis d'à côté, ils ne veulent pas. Mamadi, il faut négocier avec Dr Kassouri, si c'est lui le candidat du RPG arc-en-ciel. Il faut négocier avec Selou Dalé, si c'est lui le candidat de l'UFDG. Les élections libres, transparentes, acceptées de tous, c'est entre les deux grands partis, là, UFDG, ANAD, le RPG. Tout se négocie dans cette ville. Macky Sall a négocié sa sortie, je te l'ai dit. Mais si tu dis que tu vas t'entêter, tu n'effraies personne. Tu ne veux pas donner le pouvoir du président Fakonde. Organise des élections et tu fous le camp Mamadi Doumbouya. Mais dire que tu vas forcer. Le 21e, c'est-à-dire au 21e siècle, avec l'avènement des réseaux sociaux, on n'impose plus de dictature. Mamadi, Blaise Compaoré, il est parti comment? Malgré qu'il a duré, il a fini comment? Il a laissé quoi derrière lui? Zéro. C'est nos bonnes actions qui restent derrière nous. Mamadi, depuis que tu es venu, tu as fait quoi? Tu as tué pour prendre le pouvoir. Le jour que tu vas mourir, on n'oubliera pas ça, Mamadi. Tu as trahi, Mamadi. Tu auras laissé quoi en Guinée? Rien. Tu auras laissé quoi? Rien. Tu ne peux rien faire encore. Tu as détruit l'économie guinéenne. Tu as détruit l'administration. Tu fais la promotion des médiocres. Et d'ailleurs, vous êtes un médiocre, Mamadi. Vous n'allez rien laisser. C'est mieux maintenant là, de partir. Mais le jour que les leaders politiques... Voici un idiot qui dit que moi j'insulte les imams. Moi je n'ai pas insulté tous les imams. Les imams qui ne disent pas la vérité là. N'a rien à n'afgia. Né n'amma. Imam n'a rien non di falama. Mouné madi. L'imam, si tu veux que je cite un imam n'afgia, l'imam de Matoto, le jour de la fête là, Ramadan, celui qui a dit affaire de courant, que l'obscurité qui est dans la tombe, c'est pire que ce qui est là. Il y a quel rapport entre les deux là? Je parle de ces imams nafigi là. Ok? Si tu es fâché, il faut caler en l'air. Moi, je suis musulman. Je vais prier derrière un imam ici.
Parce que vous n'aimez pas la vérité. J'ai parlé de l'archevêque de Conakry. J'ai dit pourquoi les chrétiens, l'archevêque de Conakry, lui, il dit la vérité et nos imams ne disent pas. Gardez-moi de borner comme ça. Marafanam Fatara, pian 10 000 fois. L'imam qui est nafigi, si c'est qu'il n'est pas nafigi, c'est que je ne parle pas de lui. Mais l'imam qui est nafigi, je parle de lui. Très bien. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous oubliez que les dictateurs, ils se servent des religieux pour endormir la conscience. Au Monacolo, dans l'histoire des empires, des grands leaders qui sont passés au Monacolo, des inconscients comme ça. Je nous fais voilà. Et moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu ça marche pas. Les gens m'écoutent très bien. Voilà. Parce que Marafala, vous ne pouvez rien avoir sur moi. Moi, je suis conscient. Moi-même, moi, je pèse. Et je les assume. Ok? Je suis un peu plus de ma vie privée. Je suis un vie privée. Je suis un makira. Mais la Guinée a fait. Même al Kiyama. J'assume. Parce que les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. Na hakena na mutagi. Nous faisons fala na hakena na mutagi. Et ravi privé, mouema, et raguinema. Je ne parle pas de leurs femmes. Voilà. Même quand j'ai parlé de la sœur de Amara, j'ai fait ça pour les interpeller. La situation du pays, ça ne va pas. Mais c'est vous qui faites des mariages pompés. Et Bordira Rono. La famille d'Amara avait quoi? Ils étaient quoi hier? Le salaire d'Amara est combien? Mais aujourd'hui, on fait des mariages où on va dépenser des millions, même des milliards. L'argent est quitté où? Pendant que le peuple pleure, certains sont en train de voler l'argent du contribuable guinéen. Donc, prions le bon Dieu. Qu'Allah nous vienne en aide et dites à Baouri de démissionner, c'est mieux pour lui. Sinon, il va finir dans la poubelle. Il va finir dans la poubelle. Tous ceux qui veulent démissionner peuvent démissionner dès maintenant. Et je vais dire à Papa Fofana, vous pensez que vous êtes intelligent? Les entreprises de tes deux frères, comment vous les donnez les marchés, nous sommes au courant de tout, Papa Fofana. C'est-à-dire, si vous voyez que l'argent ne circule plus en Guinée, et quand ceux-ci-là gagnent ces contrats-là, ils se font des milliards, l'argent, on fait sortir l'argent hors du pays. L'argent n'est pas à la Banque centrale, l'argent n'est pas en Guinée. Les virements, c'est dans d'autres comptes à l'étranger parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'après cette transition, c'est fini pour eux. Mais vous faites du mal à notre pays, vous faites saigner la Guinée, notre économie. Non, mais franchement, Papa Fofana, Anyabe Karama, Bifankaya Loulibro, c'est les mêmes paroles que Mamadi a dit ici. Oh non, des marchés de gré à gré. Mais aujourd'hui, vous prenez l'argent du contribuable guinéen, vous faites ce que vous voulez. Vous donnez les marchés à vos frères. Quand les journalistes ont commencé à parler de ça, vous avez fermé les médias parce que c'est la vérité. Papa Fofana, vous avez fermé les médias parce que les journalistes ont commencé à dénoncer comment ces marchés ont été attribués. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Ça dit que ces petits frères directs ont des sociétés. On donne le marché. Lui-même, ils n'ont même pas de machine, ils n'ont rien. C'est encore, ils font sous-traitance, on donne à d'autres personnes. Maintenant, des milliards, ils vont donner à 50 milliards. Eux, ils prennent presque la moitié. C'est pourquoi ces contrats sont mal faits. Le contrat peut être à 50 milliards tout de suite. Celui qui a eu le contrat, il empoche 25 milliards, il n'a rien fait. Tout simplement parce que c'est son frère qui est Papa Fofana. Tout simplement, c'est son frère qui est Amara. Son frère qui est Ousmane Doumbouya. Voici comment on est en train de faire saigner notre économie aujourd'hui. On est en train de piller l'argent des Guinéens aujourd'hui. Vous pensez... le procès du CNRD. Demain. C'est-à-dire les Guinéens vont se prendre la tête. Je vous ai dit 2022, l'argent que ces bandits-là ont fait sortir,
c'est près de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. On pouvait faire 1000 km de route dans ça. Faire des barrages. Mais ils sont venus. Ça a été le malheur du président Alpha Condé. Avant les élections, il a tout fermé. Demandez les bons Guinéens, ceux qui connaissent l'administration. Le président Alpha Condé avait gelé les comptes des DAF. Il avait gelé les comptes de ses ministres. Beaucoup de hauts cadres. L'argent ne sortait plus. Et heureusement, Ousmane Gawal, dans une des émissions des GG, il a dit haut et fort, il dit, l'argent que le CNRD a depuis l'indépendance, il avait parfaitement raison. Le président Alpha Condé avait tout fermé. Mais en 2022, ils ont tout dilapidé. Parce que Mamadi ne sait rien. Il n'a aucune notion de la République. Les Bambatoumani, les crocodiles, ils ont tout dilapidé. Pourquoi en 2022, ils n'avaient pas de problème? Pour ceux qui me suivent, pourtant j'avais dit, des bonnes personnes m'avaient alerté. Ils disent, petit, laisse ces gens-là. C'est quand ils vont finir de bouffer l'argent qu'ils vont comprendre. Et quand ils ont fini de bouffer, ils ont augmenté les tarifs douaniers, augmenté l'impôt pour faire souffrir la population encore. C'est devant tout le monde. Fin 2021, il n'y avait pas de problème. 2022, il n'y avait pas de problème. 23, 24, c'est là leur malheur a commencé. Parce qu'ils ont fini de tout gâter. Tout voler, tout détruire. Le résultat est devant tout le monde maintenant. Il n'y a pas de secret. Ils ne connaissent rien et ils ne peuvent rien. C'est ça la vérité. Et je le répète encore, pas de solution. Pas de solution. Seul le rapport de force. Les leaders politiques, vous voulez vous lever, vous voulez contrôler cette transition, c'est à vous d'imposer vos règles. C'est vous les politiques, des voyous ne peuvent pas venir s'imposer avec des armes. Non, nous ne pouvons pas l'accepter. On ne peut pas nous parler de démocratie et des voyous ont des armes braquées sur nous. Non, ça ce n'est pas de la démocratie. Ce sont des bandits, ce sont des brigands. Il faut le rapport de force. Il faut que le peuple sorte pour dire, hé, ce système, nous n'en voulons pas. Vous avez dit, vous avez enlevé le président Alpha Condé. Nous n'avons pas connu ça sous le président Alpha Condé. La bonne gouvernance est pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Mais on ne vient pas enlever un système et faire pire que ce système. Et on est là à nous dire, ah, il faut Douaoura Bayami, le Kafri, et Moussalma, Fatia Karanfe, et Mounakolo, et na Wali Kobira Bafé. Kramogo, Wali Nyare Biri, et Nanana Biri Nabafé. Wali Filimfe Iri Biri. Quand je dis des imams nafigi qui n'osent pas dire la vérité, c'est de ces imams-là. N'agrètre de Roma, dit Kafri Yara, et mon nom de Falama Ibe. Tout est clair dans le Saint-Coran. Imam Lama, Nagana Al-Quran, Akuya, Ganana Fala. Soit à Radundu, mais Kafri Rawaye, ou bien Nafri Rafe, mais Fare Rawaye, Imam Mouna Falama. Ce qui est dans le Saint-Coran, Imam est Nanan traduit. Alors, la conduite. Le contenu du Coran, il n'y a rien d'autre si ce n'est pas les conduites, les interdits. D'être reconnaissant. Al-Quran a cuit, Moussena a cuit. Wali Fanyi. Conduite Fanyi. Fait Fanyi. Sarakhe. Il a fait Fanyi Raba. Nanantouna Al-Quran a cuit. Le contenu du Saint-Coran. Conduite Nara. Alaga, constitution Nanaki. Ato Duniada. Ato Moussa Djibor Ifari. Anara Samba Rene Mouma. Anara Goro Rene Mouma. Ça, c'est nos conduites. Mais Namourab, Imam et Mouna Falamade. Nafigi. Et nous voyons dans la Ligue islamique. Et Nanafigi a voyana du Suribiema. Wafala, Mengaya, Alanara. Afani, Alananaki. Kobita. Namoufalare. Ok? Namu falare. Kamengeya Alanara Alpha Condé. Khemalu aga ajma. À cause de son âge, on allait lui laisser pour beaucoup de choses. Atofe fanyera baybe. Mais Mgi Kobi et Anga Doroko, vous allez parler, vous allez endormir les gens. Devant qui? Pas nous, hein? Argument yomoube. Omato, vous êtes embrouillé. Même à Kankan. Mamadi ne peut pas s'imposer. Même à Kankan. Parce que Kankan Kalu Horon et Aldi. Beaucoup pensaient. Que non, que Kankan allait se rallier à Mamadi. Mais aujourd'hui, la cour familiale de Mamadi est indexée comment? Il est en train de construire des belles maisons pour sa famille là-bas. Nanara, j'ai dit que Mamadi n'est pas venu.
pour quelqu'un. Il est venu pour lui-même. Alors, na dougula na ramfala ria kosinto baskot fe fala arafala nta ramfala kankan. C'est gamin, ne? On m'a dit na nagan na bafé. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, c'est une belle soirée pour nous. La victoire du Real Madrid. Voilà. Les Catalans, Yako. On vous a toujours dit, si vous êtes supporter du Real Madrid, au Bonien ensemble, mais Barcelone, au Boyeta, au Ronomane, l'air ibiri. Même Mouta de Roma Bandiema, mais Club Faintona Mouira, Mouboyen Sare, Moussaware, Moura Madrid Mambara, Mouboyera Fanto. Voilà. Donc, année prochaine, Mourana Lou Barcelona Ira. Parce que les 10 dernières années, sur 10, on a pris 5. Mouta Souli, sur les 10. Voilà. Grand club, Dongo Ebiri, Moubara Soulou Ira. Donc les Madrilènes, nous sommes les meilleurs. Catalans, Marafala Aubert, mes abonnés catalans, il faut respecter le Real Madrid. Voilà, Fouine Kourouma. Féliciter, il faut féliciter la Maison Blanche. Ce qui est blanc même, c'est signe de paix, de sagesse. Tout ce qui est blanc, comment tu m'auras fourrier? Na boubou blanc. Donc, le meilleur de l'Europe. Oh Moubindia, merci Aissatou Diallo, le combat continue, on est ensemble. Oh Mbleres, oh Mboureira, pour le bien de la Guinée. Hen, bannissons ça du débat. Ethnie Wayen, bannissons ça du débat. Du pays, nous avons beaucoup d'opportunités. Du pays, Allah Birinfirene Mouma. Tu n'es, Goroma, suffisamment en forêt comme en basse-côte, la Guinée irait Birin. Bori, on peut faire l'agriculture autant qu'on veut. Khémana, la Guinée, c'est-à-dire toutes les parties de la Guinée, richesse dans la Guinée, il est bien. Moi, Nimbana, Nameni, non exploité. Simanduna, Nameni, non exploité. Isiga, Futa, richesse, Begwe, Nameni, Gawal, na il est bien. Baskot, Namoufalama. Mais, la Guinée, qu'a dit, Moumou, organiser, mérite, Mouna. Il faut qu'on mette le mérite devant. Il faut qu'on mette le mérite devant. Nere Kharama et Kharamane et Rafa Afaniraba. Ka chance moufina neema, c'est pas bien. Sinon, on a Amara modèle, nous Dumbuya modèle. Et ne lama et rafindi boru mundu mengera. Ne lama et rafindi boru mundu mengera. Di Kharan tari nere naki. Di Kambremba nere naki. Di Mege Kobi nere naki. Ne rafindi boru mundu mengera. Et notre armée, je vais le dire encore, il faut vraiment un vrai nettoyage dans l'armée. Le jour qu'il y aura le changement, nous allons imposer. C'est-à-dire, tous ceux qui n'ont pas le niveau BEPC dans l'armée, et là, il y a un métier qui est métier mécanique, chauffeur, et taxi, et chauffeur taxi, à Conakry. Ou bien, il y a une mine, société indé, et Wali Fébé, mais il place Ramon dans l'armée. Ça, je le dis haut et fort. C'est le résultat de ce que nous avons sémé pendant des années en Guinée. Tous les recrutements, que ce soit de la police, la gendarmerie, regardez, quand vous partez en Côte d'Ivoire, quand vous voyez les policiers, les gendarmes, vous avez un respect. Parce que ce n'est pas n'importe qui a été recruté. Quand vous partez au Sénégal, malgré le mouvement de Sonko et autres, là, si c'était des délinquants, ils allaient vraiment faire un coup d'état à Macky Sall. Mais c'est une, quand on dit une armée républicaine, c'est ça. Mais la Guinée, si vous voyez que des gens comme des Doumbouya, n'ont pas modé les femmes à un coup d'état là-bas. Parce que le recrutement, à Moufine des bases belles. Amouraba Fanira quoi. Toujours c'est dans des familles des délinquants. Ceux qui abandonnent les études, ceux qui volent à la mer, ne rien nous mouillent ma bangue, ne rien nous wama c'est sera bafé, ne rien nous mouillent ma quartier qui, ne rien ne engatoroma et babatoroma, et ne tongo et wale, moga armé ya, et nous finkar tongo, et nous bandits armés, parce que tous les résultats, walloy, moi ça va être mon combat, ça dit notre armée, nous allons refonder cette armée, leur refondation c'est cette armée, le mérite. C'est-à-dire à Kobi Biri, à Drogue Tongwe et Birimba,
On va acheter des machettes pour eux, des dabas pour eux, mais ça ne sera pas des fusils. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de braquages. C'était des délinquants. Je ne dis pas toute l'armée. Il y a des bonnes personnes dans l'armée. Mais la majorité du temps de feu général, là, ça n'a compté. Les recrutements, c'est le résultat. Et nous, Fingar Tongo, vous prenez les armes, vous donnez à des bandits. Le résultat, a fini ma dit. Akawali ama benyim. La conséquence nana moufari. On se fatigue, on veut faire les choses bien. Mais ce qui va nous éviter de telles bêtises, c'est ça. Notre armée doit être refondée. Pourquoi le Sénégal, il n'y a pas eu de coup d'État? Pourquoi au Sénégal, il n'y a pas eu de coup d'État au Sénégal? Parce que oui, c'est une armée consciente. C'est une armée consciente. Yeah. Donc, la Guinée-Kaï-Lama, les gens doivent comprendre ce côté-là. Les recrutements bidons, là. Comme même les Mamadis, ils ont continué sur ça. On a ramassé des gens, issus même tous de la même communauté. Ah, voilà. On a pouvoir, c'est notre pouvoir. Ils n'ont pas de niveau, rien du tout. Ils n'ont aucune notion de la République. Ils ne savent pas c'est quoi la République. Et voilà. Comment la Guinée peut s'en sortir? Quand on va vraiment ramasser des inconscients, on les fait porter la tenue, on les donne l'arme, d'autres sont drogués. Comment ceux-ci peuvent comprendre que oui, ce que Mamadi est en train de faire, ce n'est pas la démocratie, qu'il doit partir? Non, ils ne peuvent pas comprendre. Mais celui qui sait faire la différence entre A et 1, peut-être lui peut lire, comprendre c'est quoi le développement d'un pays, pour dire, ah non, nous ne pouvons pas soutenir ce bandit-là. Donc, merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi Fatmata Keïta. Merci à Lamzi Komara. La Ibrahima Nabe Nabe. Merci à vous. Merci à Maître. Bon, merci à Bana Bana, Koma Alpha Sano. Voilà. Merci à Mamadou Kamara. Donc, si ça fait la refondation, ils n'ont qu'à refonder l'armée. Tous ceux qui n'ont pas le niveau, les mettre à la retraite. En tout cas, comme Alpha, vous avez parfaitement raison. Ahmed Fofana, merci. Djabid Alès Costa, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Papaito Mara, merci à vous. Merci à tous ceux qui nous suivent. Ils sont nombreux, ceux qui ne commandent pas. Vous savez, moi, c'est ça. Il y a beaucoup qui me suivent, mais ne commandent pas parce que, vous savez, les bandits, pour ne pas qu'ils voient. Je vous dis merci à...